Chers amis, je vous adresse mon salut et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle rencontre autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Aujourd'hui, je vais vous dire le docteur Gaëtan Gassian de Clérembeau pour son livre Souvenirs d'un médecin opéré de la cataracte. Aux éditions Les empêcheurs de penser en rond. Ce texte est suivi d'un texte de Roger Dadoun qui a pour titre En photo profonde avec Clérambault. On peut lire sur la quatrième de couverture cette citation de Clérambault. Nous tenons nos yeux à la disposition de tout confrère qui voudrait les examiner. Souvenir d'un médecin opéré de la cataracte. Je vais donc vous lire le début du texte. Troubles initiaux Vers mes cinquante-cinq ans, Certains malaises oculaires que j'avais éprouvés de tout temps s'aggravèrent. Les lectures, même de courte durée, me fatiguaient, provoquant des sensations pénibles, avec larmoiement, céphalée, surtout frontal. Enfin, asthénie générale, parfois même nausées et vertiges. Le tout cessant généralement en moins d'une heure si je me reposais, étendu les yeux fermés. Une journée passée sans lecture devenait par cela seule une journée de bien-être. Au réveil, le lendemain, j'étais dispos et vif. Pour prévenir les malaises susdits, j'avais soin d'interrompre fréquemment mes lectures et de m'adonner à des rangements ou à de menus travaux mécaniques. Mais le rendement d'un tel programme était médiocre, parce qu'aucun travail n'est fructueux avant une phase de mise en train. D'ailleurs, les malaises dus à la lecture me donnaient le dégoût du mouvement, en sorte que je n'étais plus capable, provisoirement, que de m'étendre et de méditer. Je me servis alors, pour lire, de vers faiblement convexes. Ils me soulagèrent quelque peu, mais le charme des longues lectures et le bénéfice des rédactions d'un seul tenant m'étant enlevé, ma productivité en fut très diminuée. Vers cinquante-sept ans, je commençais à voir de mon œil droit les formes des objets modifiées de façon bizarre. Leurs contours n'étaient plus seulement imprécis, mais multipliés. Dans la nuit, tout point lumineux se changeait en constellation. Les anses incandescentes des ampoules électriques semblaient au nombre de cinq ou six dans chaque ampoule. Des enseignes lumineuses chaque lettre m'apparaissait pourvue de lettres satellites semblables et posées plus haut ou plus bas tantôt nettement en dehors d'elle et tantôt en piétant sur elle quelquefois une ou deux d'entre ces lettres étaient d'une telle intensité que sans leur place hors de l'alignement j'aurais eu peine à les distinguer de l'image vraie. Cela surtout s'il s'agissait de lettres élancées et minces. Les déplacements de mon regard modifiaient leur rapport et je m'en faisais parfois un jeu. Dans le jour, surtout en cas de contraste marqué entre clair et sombre, Seuls les contours les plus lumineux des objets se dédoublaient. Les contours clairs et irréels m'apparaissaient d'autant plus nets qu'ils trouvaient pour se détacher un fond plus sombre. Un objet, vu à jour frisant, semblait composé de méridiens s'interséquant au centre desquels résidait un noyau sombre. Une boule, vue à contre jour, semblait un éclatement figé, chaque éclat gardant bien sa forme de fuseau en s'écartant des autres éclats. Une série de boules, ornant le haut d'un paravent placé entre mon lit et la fenêtre, m'apparaissait comme une série de tulipes en cristal fumé aux pétales dissociés, mais non pas dispersés, se laissant voir les uns aux autres par transparence, avec des arêtes lumineuses et des obscurités graduées dues aux nombreuses intersections. Parfois, l'ensemble des segments rappelait plutôt une mandarine subdivisée, mais une mandarine translucide dont les segments, vus à travers les uns des autres, avec arêtes courbes brillantes et intersections assombries, semblaient se tenir par attraction après avoir perdu le contact. Chaque tulipe ou chaque mandarine ainsi dissociée paraissait ne plus adhérer à son support, mais être suspendue au-dessus de lui et leurs séries bien alignées avaient quelque chose de léger et de délicat. Vers la même époque, je devins très sensible aux contrastes lumineux. Toute zone éclairée m'occultait les zones voisines. Ainsi, les meubles placés à côté d'une fenêtre se perdaient dans l'obscurité, phénomène dû évidemment à la diffraction des rayons rencontrant des paillettes opaques à leur passage dans le cristallin. D'autre part, l'état d'éblouissement persistait après l'impression lumineuse, plus qu'au temps de ma vision normale. Je ne saurais en dire la raison. L'éclairage nocturne des villes prit pour moi un aspect étrange. Et non dépourvus de quelque beauté. Les globes électriques me semblaient amplifiés cinq ou six fois et de plus volatilisés pour se recondenser en fils, bien entendu incandescents, sous forme de rosaces imparfaites, le plus souvent hexagonales, avec tous leurs côtés concaves le champ intérieur des rosaces était rempli par un fouillis de fils lumineux comparable à de la paille de fer portée au rouge l'irrégularité de ce réticulum l'inégalité des côtés et la dissemblance de leurs courbes le caractère un peu scalène de tout l'ensemble passaient la mesure des gauchissements que la nature apporte d'habitude dans ses constructions géométriques, comme l'oursin ou l'étoile de mer et bien d'autres êtres marins. L'impression esthétique en était diminuée. L'hexagone au côté concave semblait tendre à devenir étoile. Parfois, il tendait à devenir un heptagone, par dédoublement d'un côté, sans modification des autres, toujours le côté dédoublé était le côté inférieur gauche, et la petite pointe, surnuméraire, le remplaçant, rappelait cet embryon de branche qu'on voit parfois entre deux branches d'une astérie. Je vous remercie.